Il est digne de louange, il est digne d'adoration. L'agneau est souverain. Lumière et paix à chacun de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous saluons nos bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous encore une fois dans rendez-vous d'amour, rendez-vous que lui mettait pour nous chaque samedi dans le Sahara pour nous capables d'étudier parole bon Dieu afin que nous capables grandir dans connaissance parole là car il dit dans Osée 4:6 peuple a péri par faute de connaissance. Mais nous dans Light and Peace Ministry nous prenons responsabilité à pour nous persévérer dans enseignement, dans étude parole bon Dieu afin que peuple bon Dieu a capable libre puisque c'est vérité à le nous connaît. L'app affranchit nous. Amen. À nous disposer que nous, pendant que nous n'avons pas entré dans nous-mêmes, nous prenons le baisser tête nous, pour nous capables d'inviter, mettre parole là, à venir prendre place dynamite en nous. Car pour contre nous, nous pas capables de faire rien. Et c'est ça le dit nous dans Jean 15:5. Sans lui-même, nous pas capables de faire rien. Nous avons besoin d'assistance lui, afin que lui soit capable de conduire nous en toute vérité. Pour que l'esprit de vérité est capable d'envahir nous, pour parole les parler en toute vérité. Nous avons besoin d'esprit d'intelligence pour nous capables de comprendre parole. Nous avons besoin de libérer totalement de tout esprit impur, de tout esprit de sommeil, de tout esprit de trouble, de tout esprit de perturbation. Seigneur, libérez-nous. Une place où dans la soirée d'études bibliques là, restez avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin, afin que peuple capable d'édifier, peuple capable grandir dans la connaissance parole, et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions au Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous saluons nous encore une fois dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons nos bienvenues et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Comment se mène notre mes bien-aimés? Très bien avec Jésus. Très bien avec Jésus. Nous avons cheminé très, très bien, lentement, mais sûrement vers la fin. Nous avons cheminé tout droit dans la fin d'une année, pas vrai? Donc, ça veut dire que nous avons arrivé là pour nous capables de mettre bout dans une année d'études. La paix, bon Dieu, avec Amen. Amen. Donc, nous comptons pour nous rejoindre nous encore une fois afin que nous sommes capables d'étudier parole, bon Dieu, comme nous connaissons dans qui sujet que nous y est, nous connaissons qui étude que nous avons fait depuis quelque temps. C'est qui ça nous a étudié depuis quelque temps, mes bien-aimés? Si nous dans le livre Apocalypse, nous dans l'ouverture des sceaux. Et semaine dernière, nous t'es ouais. Qui ça nous t'es ouais? Semaine dernière. Qui sceau, qui numéro nous t'es l'ouvri semaine dernière? Septième sceau. Septième sceau. Non. Septième sceau. Nous t'es l'ouvri septième sceau semaine dernière. Très bien. Dans septième sceau, nous prenons ouais. Et comme nous connaissons, nous avons toujours un petit temps pour nous faire un petit rafraîchi mémoire avec eux. Pour nous garder qui sortait qui ça qui était rété dans ça qui était parlé et nous connaissons depuis le arrivé est consacré à étude parole bon Dieu. Donc camper loin toute distraction, tout ça qui est capable de distraire nous, camper loin yo, focus sur ça nous pral faire qui c'est étude parole bon Dieu. Et nous connaissons principe 3B, nous pas capable de grandir, nous pas capable d'avancer dans étude là sans que nous pas gagner 3B. Nous pas gain bib nous pas gain bloc note nous cahier nous et nous pas gain plume nous si nous pas gain 3 B ça yo nous pas capable avancer donc faut nous gain ça yo pour nous avancer pour nous noter afin que nous capable gain ça qui dit yo donc nous tenons 7e soa c'est 7e soa nous t'ai l'ouvri semaine dernière pas vrai combien soa? Combien sont gagnés? Sept sauts. Sept sauts. Yes, nous arrivons dans le dernier saut, qui c'est septième. Nan.
Et septième saut, ça, qui ça nous a dit que l'y représentait? Qui ça nous a dit que septième saut représentait? Nous pas changé? Nous t'ai dit que septième soir représentait le jour du Seigneur. Qui c'est? Qui c'est thème majeur livre Apocalypse là? Exact. Nous t'ai dit que septième soir qui ça nous joigne là-dedans, nous joigne là-dedans, il est l'ouvri, il est décacheté, il est cassé, c'est les sous ça. Eh bien, nous voyons que il y a là-dedans jugement. Bon Dieu, ce qui est sous l'humanité, sous l'humanité désobéissante. Pas vrai? Et nous te dit les sous ça l'ouvri, l'ouvri sous forme sept fléaux. Qui annoncé par qui ça? Jugement par trompette. Exactement. Qui annoncé par la sonnerie de combien de trompettes? Sept trompettes. Très bien. Sept trompettes. Pendant que nous dit sept sauts, sept fléaux qui annoncé par une sonnerie de sept trompettes. Et nous, elle a un chiffre qui attire l'attention nous là-bas, oui? Mm-hmm. Et qui chiffre lié? Le chiffre 7. Yes, le chiffre 7. Nous regardons le chiffre 7, il nous dit que c'est qui chiffre lié, c'est le chiffre de là? Perfection. Et son chiffre que nous joignons très souvent, qui répétait très souvent dans le dernier livre Bible, là, qui c'est Apocalypse. Par exemple, mm-hmm. coup, li gen pou objet chiffre ça li gen pou objet pour révéler nous qui ça ça nous joine dans Apocalypse 1er le verset 1er qui dit que les choses qui doivent arriver bientôt c'est des bagages qui gen pour arriver très prochaine bon, très prochainement par exemple pour si n'a prend si nous capable faire yon listing par exemple il parlait noté wali avant il parlait de cette église mm-hmm. il parlait de sept chandeliers yeah. il parlait de sept étoiles mm-hmm. il parlait de sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu il parlait de sept sceaux mm-hmm. il parlait de sept trompettes mm-hmm. Lui parler de yon bête avec sept têtes et dix cornes que nous avons pour nous et puis devant. Lui parler de sept tonnerres et lui parler de sept fléaux mm-hmm. et lui parler de yon question de déverser sept coupes d'or. Donc là nous regardons nous sept là, je nous dis les gars pour objet pour révéler nous les choses qui doivent arriver bientôt puisque c'est le chiffre de la perfection. Donc tout ça yo eh bien c'est des bagages qui gien pourri et pour arriver. Et c'est comme ça mes bien-aimés nous t'arriver non septième soir. Et Jean Nodou, il représentait qui ça? Il représentait le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Et notez-vous que dans ça qui l'ouvrit, notez fait lecture dans qui livre, dans qui chapitre? Apocalypse 8. Sorti dans qui verset? Un à 13. Côté nous te dit, après que nous te fini faire lecture, hein, nous te ouais que dans 13 versets ça yo, nous te signalé 8 points avec 8 faits importants que nous te faut noter yo, une après l'autre. Dans l'étude 13 verset ça yo nous te signalé avant 8 faits
8 points importants. Qui est-ce qui cabe moi yo? Le final de l'ciel. Très bien. Très bien. Les sept anges et les sept trompettes. Très bien. Qui annoncent le jugement. Et nous avons l'Apocalypse 8, versets 3 et 5, qui est le sacrifice des prières des saints. Très bien. Le sacrifice sur la terre. Et nous avons les sept anges, nous avons la première trompette, le jugement sur la terre. Oui, la première trompette. Deuxième trompette, c'est verset 9. Le jugement sur les mers et sur les océans. Mm-hmm. On a verset 10 et 11, le jugement sur fleuves et sur eaux. Quatrième trompette, c'est le verset 12, l'Apocalypse du plan, c'est le jugement sur le système solaire et les étoiles. Très bien. On a dit, les trois malheurs. C'est l'Apocalypse du verset 13. Très bien. C'est exactement ça. Très, très bien. Merci, ma sœur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, que nous te ouais. Le sosa, il te l'ouvri. Le sosa te l'ouvri, il l'ouvri sous événement sa yo. Et nous te baou, Jean, ça se dit là, le silence dans le ciel, que l'Isée quittait une menace de jugement. Parce que lui dit, quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel, pas vrai, un silence d'environ une demi-heure. Yes. Yes, nous te dit, pour qui ça, nous te montrer pour qui ça, ciel-là, vint silencieux. Pour qui ça, mon silence d'une demi-heure dans le ciel-là, lorsque septième soir l'ouvrit. Lorsque vous cassez scellé septième soir, comparativement à l'autre soyo, pour qui ça, c'est silence qui gagne lorsque septième soir l'ouvrit. Et nous te dit que ça a été reflété une attente impressionnante, une attente terrifiante, et nous te voyons avec dans l'Ancien Testament, qui ça silence la mine. Lorsque nous t'es gardé dans Habacuc 2:20, que toute la terre fasse silence devant lui, donc l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui, nous t'es ouais, et dans Sophonie tout, le silence de l'Éternel, et nous t'es ouais, et dans Zacharie tout, dans l'autre passage, Zacharie, bah, comme t'es banon, dans Zacharie 2, le verset 17, tout, qui t'est dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est éveillé de sa demeure sainte, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé. Il s'est éveillé de sa demeure sainte. Donc, depuis l'Éternel campé, ça veut dire, eh bien, les bagages. Les nous garder là, nous, d'après tout texte, le silence dans le ciel, nous devons comprendre comme un signe que le Seigneur va révéler de nouveau. Nous devons prendre silence ça. D'un coup, il n'est pas trop loin. Le Seigneur pral. Amen. Merci, Seigneur. Donc, c'est ça, mes bien-aimés, nous te ouais. Silence là, nous te montrons, nous te dis qui s'allumine. Et nous te passé tout, nous te ouais, sept anges. Parce que il était dit dans Apocalypse 8, les versets 2 et 6, il était parlé de sept anges. Il dit, et je vis les sept anges, hein, qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. L'énalé dans verset 6 là, il dit nous, et les sept anges qui avaient les sept trompettes préparèrent à en sonner. C'est les anges, eh bien, chaque gagné une trompette dans main, qui préparait pour annoncer événement qui pour arriver à partir de un coup de clé, d'un coup de clé, non. Pas vrai? Amen. Les sept anges et les sept trompettes nous disent que c'est annonce de jugement. C'est-à-dire que dans 3 et 5 là tout, eh bien, nous te voyons qu'avant qu'on peut être sonné, il y a un sacrifice qui fait, il y a un ange sacrificateur.
Gonz ange sacrificateur qui dit non, eh bien, il dit un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, la prière nous dit que la prière des saints, eh bien, il n'est pas prêté sans effet. Et nous te montrons qui ça veut dire, qui ça veut dire en sang qui a monté vers Dieu. Donc, c'est symbole prière saint yo. Donc, ça yo, prière, lorsque il dit nous prier juste à l'égon grande efficacité, eh bien, loi prier, eh bien, c'est les saints. Tout peuple bon Dieu a, il forme la communauté des saints. Et ça les salles formées. Et ça nous y est, c'est ça qu'il faut la Bible parler là de la prière des saints. C'est pas prière mort, c'est prière des saints. C'est monde qui a loué, monde qui fait partie de peuple bon Dieu. C'est ça qu'il faut voir. David parle d'où dans Somme 141, dans verset 1 et 2. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Donc, c'est ça, nous te wetou, première trompette là. Nous te dit le premier trompette à son nez, mais qui ça l'a annoncé? Jugement sur la terre. Jugement sur qui ça? Sur la terre. Sur la terre, très bien. Et deuxième trompette là? Jugement sur la mer. Yes, exactement. Donc, lorsque l'île parlait d'une grande montagne embrasée par le feu, sera jetée dans la mer, et le tiers de la mer, c'est-à-dire qu'y compris apparemment l'océan, y a une rouge dans le sang. Le tiers de toutes les créatures marines mourra, et le tiers des navires sera détruit. Donc, ça, c'est un jugement qui pourra le prononcer sur qui ça? Jugement qui pral prononcé sous la mer. Yes. La terre. Et la mer. Sur la mer et les océans. Et les océans. Donc, on va continuer, mes bien-aimés. Côté nous pral garder qui ça, troisième trompette là, le va sonner. Troisième cléon va sonner, eh bien, qui ça pral passer? En nous allons dans Apocalypse 8, le verset 10. Amen. Amen. Le troisième ange sonna de la trompette et ils ont bas du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, après ça, troisième ange là, connaît clairon là. Yon gros étoile qui t'a boulé, tant qu'on yon bois chandelle, tombé sorti dans le ciel là. Li tombé sous yon tiè, dans toute la rivière, ak sous glorieux. Amen. 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 Qui ça, Jean-Wé, mes bien-aimés? Qui ça, Jean-Wé là? Non, le troisième trompette là sonne. Qui ça, Jean? Ouais. Mon gros étoile. Oui, mon gros étoile, très bien. Gros étoile là, il semble qui ça? Il semble avec un flambeau. Yes, un flambeau. Tant qu'on yon bois chandelle. Nous connaissons ça, yon les torches là. Nous connaissons torche les pour éclairer les différents têtes li et puis yo kembe en bas et puis kounya y a marché devant pour éclairer pour eux.
Donc, c'est quand coup, il y a une bois chandelle tombé, sorti dans le ciel là. C'est ça, Jean, ouais. Si Jean, c'est ça, lui, ouais. Mais maintenant, Jean, ouais, ça. Qui ça qui passé? Qui ça, ça avait dit? Il y a une étoile qui est en cours, il y a une bois chandelle qui sorti tombé dans le ciel là. Eh, mes bien-aimés, qu'est-ce qui passe là? Est-ce que c'est l'autre là, lui-même? C'est qui ça? Parce que, mes paroles là, dit nous là, au fond de la troisième trompette, eh bien, il y a une grosse étoile qui est en couleur de chandelle tombée, sortie dans le ciel là. Hein? Nous pas de prendre étoile là, nous pas de prendre là de façon littérale. Tant que le de montagne jeté dans la mer. Là, les pas oublier que gon symbolise la donne. Les annoncer yon bagay. Ça son image, les annoncer désastre majeur. Li pa bliye nous dire que troisième trompette là li annonce un jugement. Pas vrai? Amen. Moi-même. Yes, amen. Amen. Yes. Maintenant, li annonce un jugement. Li dit et tomba le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Qui côté le tombé, étoile ça? Sous le tombé sur le tiers des fleuves. Ok, un, souligné fleuve. Et sous qui l'autre bagaille est tombé encore? Sous les sources des eaux. Tombé sur les sources des eaux. Yes. Sur les sources des eaux. Ce qui veut dire que les tombés sous un tiers dans toute la rivière, même si on apprend en créole, à source de l'eau. Donc, ça veut dire qui ça? Les nous, la rivière, et nous, source de l'eau, nous avons affaire à qui ça là? De l'eau salée ou de l'eau douce? L'eau douce. De l'eau douce, très bien. Nous avons appelé à de l'eau douce. Yes. C'est ça qui fait nous parler de jugement. La troisième trompette qui s'est annoncée, lui annoncer jugement sur les fleuves et les lacs. Et les lacs, ok? Sur les fleuves et les lacs. Lui annoncer désastre majeur. Déjà ce majeur qui pral vient pour frapper la terre, pour frapper toute source de l'eau, pour frapper fleuve. Donc qui te frappe déjà la mer? Qui côté le déf? Mais qui trompette qui te frappe la mer? Qui trompette qui te frappe la mer, bien aimé? Deuxième trompette là, t'es frappé là? La mer. Il t'est frappé la mer. Ça veut dire de l'eau qui ça? Qui de l'eau? De l'eau salée. De l'eau salée. Très bien. Troisième trompette là, qui ça va le frapper? Il va le frapper de l'eau douce. Il va le frapper les eaux douces. Il va le frapper les lacs et les fleuves. Et les autres pleins d'eau douce. Tout l'autre plan de l'autre dossier, eh bien, il va le frapper dans la troisième trompette là. Donc, encore une fois, ça pour nous comprendre, jugement ça, les gagnés portés qui sont limités dans le temps, les gagnés portés qui sont provisoires, les gagnés portés qui sont limités qui sont provisoires, il n'est pas là pour tout le temps. Pour qui ça? Parce que lui dit, c'est un tiers seulement qui a frappé. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. T'as des bien, ça le dit. Il dit, c'est you tiers qui a frappé. C'est pas tout fleuve, c'est pas tout lac, c'est pas tout l'eau douce.
Ça veut dire que les limités. Ok? Les limités, les pas frapper toute la terre. C'est Youtière, la Bible de là, elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le tiers. Mm-hmm. Donc c'est Youtière qui a une portée limitée. Et les provisoires. Mais, ça pour remarquer, ça pas veut dire que les pas terrifiant. Ça pas veut dire que bagala pas terrible. Nature, là, je vais présenter la lit terrifiante. Calamité, ça y est. Et ça fait, l'illustrer, pas qui ça, au moyen d'une étoile. Au moyen de la figure d'une étoile qui tombait, sortie dans le ciel là, qui a brûlé. Ce qui veut dire que yon étoile qui a brûlé, qui en feu. Pour coup le flambeau. C'est pour montrer au caractère terrifiant. Hein? Événement, mes bien-aimés. Tendez bien, au verset 11, le verset 11 pour moi, il y a l'autre détail qu'on y a qui est important que nous allons regarder pour nous montrer effet désastreux, catastrophique événement. Regardez-vous, hein? Au verset 11, qui ça le dit? Le nom de cette étoile est absinthe. Mm-hmm. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Mm-hmm. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Parce qu'elles étaient devenues amères. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que nous t'avons déjà dit, mes bien-aimés? Nous t'avons dit? Il est clair. Il est bien là. Il dit nous, au verset 11, il est relé. Étoile ça, l'absinthe. Yo tiè, nan tout droyo, vin en mai. En mai, ou fiel. En pile moun, ki te boue de l'eau ça, te mouri. Parce que de l'eau a, te vin en mai. Ou pas clair là? Amen. Amen. Ou pas clair là? Mm-hmm. Merci Seigneur. Absinthe, mes bien-aimés. C'est parti, bagaille petit. Au contraire de absinthe, nous, hébreux, plante ça, vous le dit, plante maudite. Est-ce qu'on a fait? Amertume. Poison, malédiction. Qu'est-ce okay. Que ça a représenté pour Isaïe et Tio? Et c'est au cours de la bagaille, histoire qui est des printemps, c'est à cause de l'amertume que Hébreu, à cause de l'amertume, Hébreu, qui a été considéré armoise. Comme un bagage qui est nocif. À moi, ça a été considéré comme nocif. C'est-à-dire qu'on met-il en parallèle avec amertume où je vois une lamentation. Lamentation 3.11 ans, 3.16 ans déjà. Donc, on peut regarder. Le Seigneur utilise ça. Mais donc, comme une plante maudite. Amertume, poison, malédiction. C'est-à-dire ouvrez le banon là, les inspirés. Vous pouvez regarder, Alpha Koudé pour moi, qui est-ce qu'il veut lire pour moi? Jérémie 9. Nous parlons dans Jérémie 9, le verset 15. Jérémie 9, 15. Jérémie 9, 15. Amen. Jérémie 9, verset 15, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, mm-hmm. le Dieu d'Israël. Voici, je vais mourir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées.
Merci Seigneur. Vous entendez? C'est peut-être ça. Mais ça moi-même, Seigneur qui a tout pouvoir, bon Dieu peuple d'Israël là, il dit, je prends le bail verbe en mai pour manger. Je prends le bail de l'eau empoisonnée pour boire. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Merci, Seigneur. Donc, mes bien-aimés, nous capables d'où? C'est bon ça que nous jouons dans l'Apocalypse 11 là, symbole absent là. Il est inspiré d'abord par menace prophétique châtiment ça. Que bon Dieu te prononce sur le peuple là. Ensuite, on peut jouer par une image. Apocalypse, d'après les tout là, d'après ça nous saute l'IA là, 8, 10, chapitre 8, verset 10, 11 là, côté de l'eau d'ossio, il pral infecté, de l'eau d'ossio, il pral empoisonné. Pas vrai? Amen. Eh bien aimé, nous pas capable, nous pas capable, arriver là, et puis, pour ne pas chercher à comprendre ça, Seigneur avait dit là, non? Ou pas capable de chercher une prédiction moderne sur question absente ça? Donc, ça veut dire que son châtiment, lui représenter un châtiment d'en haut, un châtiment qui sortit en haut, qui pesait sous l'humanité. Est-ce que là? Parce que son jugement lié. Pas oublier le jugement, ça va le prononcer sur qui monte sur un peuple désobéissant, qui pas respecté par le bon Dieu. Est-ce que nous là? Amen. Donc, absent pas vous faire comprendre, là, l'album nous image ça, qui c'est amertume, moi d'où ça déjà, qui c'est poison, malédiction. Pour indiquer nous qui ça, pour indiquer nous, mes bien-aimés, l'effet désastreux du jugement sur le tiers des ressources d'eau, des ressources d'eau douce. Hein? L'utiliser absolument là, garder côté malavant dans Jérémie, pour faire comprendre, pour voir parole prophétique ça qui était prononcé là. Côté où vous venez là dans l'Apocalypse là. Pas vrai? Donc, pour montrer que le gros ça qui était douce là, nous connaissons qui nous remettons de l'eau douce, nous, les n'apportons pas bien nous, et bien voilà que l'eau ça pas venir en nous pas capable d'utiliser. Donc, ça veut dire clairement, l'eau ça pas venir potable encore. Et il dit clairement, tout le monde qui va boire de l'eau ça qui s'est privé. Il a mouru. Clé. Il a mouru parce que l'eau ça c'est empoison. Il est empoisonné. Parce que l'eau ça vient empoisonné, donc absent là, son poison que lié. Donc, de l'eau, ça, tout le monde qui t'a consommé de l'eau, ça, eh bien, tout le monde a mouru clair. Ça va le faire qui ça, mes bien-aimés. Leur parole qu'on s'est prononcée, nous sommes capables de penser là, imaginez à inondation terrifiante et qui est capable de mener, qui ça, qui est capable de mener encore à destruction, à la mort. Parce que, imaginez-nous, l'eau ça y est contaminée. Hein? Moun tombe boue yo, qui s'est passé là? Moun pas connaît si l'eau empoisonné. Qui s'est passé? Bête, connaît si l'eau ça y est empoisonné. Bête tombe à boue yo tout. Moun tombe à boue de l'eau ça y est. Qui s'est passé là? Ah, gardez bien ça, le dit dans verset 11 là. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup, beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Beaucoup d'hommes, vous entendez? Un pile monde mourit à cause de l'eau, ça. Hein? Et bien, c'est même gentil, de l'eau ça, en tout le monde qui parle de tout, à cause de l'épidémie, hein? À
cause de l'épidémie. Mm-hmm. Et d'où ça va le causer? Pollution qui va le gagner, mon va le mourir par toute qualité de problème ça y est. Donc, quel que soit ça que l'image a représenté, eh bien, ça pour nous dire, il est causé par la trompette de Dieu qui résonnait. Donc, trompette a sonné pour annoncer qui ça? Pour annoncer un jugement. Et le jugement qui va le prononcer sur qui ça? Sur les fleuves et les lacs. Les fleuves et les lacs. Donc, ça veut dire que, mes bien-aimés, là, il vient, il y a un rappel pour moi avec vous. Il y a un rappel constant de la venue du Seigneur. Qui qu'on y a là? Le fait appelle ça. Tout à l'église l'IA. Ranger koyo, pour ranger koyo, pour prier, pour contrôler, et à moins de ça, qu'on a qui besoin de repentir, parce que le Seigneur a venu. Le Seigneur a venu, ranger chitao. Ranger chitao, c'est pour question de marcher tout sauvé. C'est question de est-ce qu'on prêt? C'est pour question de marcher tout sauver, c'est pour question de est-ce que on paraît. Est-ce qu'on paraît, c'est pour question de marcher tout sauver. Et ça pour nous faire lecture ça dans Jérémie, hein? Si nous continuer lecture Jérémie, hein? Continuer en allant dans Jérémie 9. La découvrez. Notez-le verset 11, pas vrai? Non, 15. Oui. Notez-le verset 15. En nous lit, en nous sorti, en a lit Kounia, le 11 à 14 pour moi. Le 11 à 14. Vas-y, Rémi. J'ai toujours chapitre 9 là. Le 11 à 14 pour moi. 11 à 14. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacal. Et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Mm-hmm. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qui le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert, où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les pensants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leur père le leur ont appris. Amen. Amen. Jusqu'à 15? Jusqu'à 14. 14, ça va. Nous t'ai dit 15 ans déjà. 14. Donc, okay. Donc c'est ça. Le nom gardé. Qui ça nous est là? Nous est une question posée là, pas vrai? Oui. Vous pensez que l'Éternel pose une question là? Oui. Qui question lui poser dans verset 9 là? Ben nous gardons les deux. À toi, pour ne pas taper ni pour tout bagage ça yo. À toi, pour ne pas taper revanche sur une nation comme ça. C'est le Seigneur même qui dit ça, oui. Moi dit, je pral crier, je pral plein pour mon yo, je pral plein so, pas tirage bête yo, parce que yo fin boule. Personne pas passé là encore. Ou pas tant de bruit, yo bête là-dedans yo. Depuis ce jour qu'a volé dans ciel là, jouk bête dans bois. Tout bête de yo y allé. Qui s'est passé? Pourquoi le pays est-il perdu? Brûlé comme un désert. Où personne ne passe. Pour qui ça? Le Seigneur répond, oui. Il répond, qui côté le répond? Qu'est-ce qu'il a dit, dans qui verset il répond? Il fait une pose de question et puis il répond, oui. Il répond, le verset. Le verset. Dans verset 13, très bien. Dans verset 13, qui ça le dit? Il dit, Seigneur, réponds-moi.
C'est parce qu'ils ont arrivé comme ça, parce que peuple moyen kembe tout ça moins te montré yo. Yo pas côté, yo pas fait ça me dit yo fait. Yo pas fait ça moins dit yo. Jérémie a parlé avec mon Dieu là, pas vrai? Oui. Seigneur a répondu moi, il dit Seigneur a répondu moi, ça arrive comme ça parce que peuple moyen pas kembe tout ça moi te montré yo. Yo pas côté, yo pas fait ça me dit yo fait. Amen. Et qui ça me dit? Prophète yo annoncé, c'est qui ça? Jugement. Yes, et ça qu'elle de la voici. Je vais nourrir ce peuple d'absinthe et que je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Il va prononcer son jugement. Pour qu'est-ce qui ça? Pour des obéissances. Merci Seigneur. Yes. Pablo m'a dit, ça yo, c'est yo annoncer jugement sous qui ça? Sur l'humanité à cause de qui ça? À cause de désobéissance. À cause de désobéissance des hommes. À cause de désobéissance. À qui ça? Péché. À qui ça? À parole, bon Dieu. Mais, très bien. À parole, bon Dieu. Et ça fait ouel dou là dans Jérémie là. Le dou parce que yo pat et fait ça, moins te montré yo fait. Yo pas respecté. Yo pas de côté. Yo pas fait ça me dit au fait donc je dis à ou même bon Dieu a parlé avec vous. Si vous pas attendez. Vous avez une idée de qui ça va arriver. Bon qui dehors yo que ou même bon Dieu servi avec vous pour ba yo parole. Yo pas attendez pour inviter à la repentance. Y a fait résistance. Yo pas voulez repentir. Mais ça gain pour arriver. Ou même qui est dans l'église, parole là a parlé, 7 jours sous 7, ou pas des oreilles pour tendre, ça l'esprit bon Dieu a dit, et bien ça peut arriver. Ou pas respecter la parole de Dieu, ou pas obéir à la parole de bon Dieu, ou pas marcher dans la désobéissance, mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver, depuis pas des oreilles pour tendre, ça l'esprit bon Dieu a dit, a peuplé. Eh bien, mais nous, ce n'est pas nous qui avons parlé, la parole de Dieu qui a parlé avant. Seigneur, réponds-moi, ça arrive comme ça parce que peuple moyen pas kembe, tout ça moi te montré. Yo n'avez pas écouté, yo pas fait ça, me dit yo fait. Donc, de pour pas faire ça, le Seigneur doit faire, ou en rébellion. De pour pas faire ça, le Seigneur doit faire, ou en désobéissance. Eh bien, retourne. Mais pour choisir marcher dans la désobéissance, pour choisir marcher dans la rébellion, retourne. Bon Dieu, pas en affaire rebelle, il n'y a pas en affaire avec quelqu'un qui désobéit. Donc, mes paroles là, ça mène nous à la quatrième trompette là. En nous retournant dans Apocalypse chapitre 8, le verset 12. Amen. Amen. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Après ça, quatrième ange là, qu'on éclairons là. Yon tient dans le soleil là, yon tient dans la lune là.
à qui on tient dans les étoiles, ils ont dommagé. Comme ça, ils ont tout perdu, ils ont tient dans la lumière qu'on a là. Pendant qu'ils ont tient la journée, t'es fait noir, coulant. Comme ça, tout, pendant qu'ils ont tient la nuit, t'es fait noir, tout noir. T'es fait tout noir. Merci, Seigneur. Amen. Qui ça nous est là, mes bien-aimés? Ça, qui est la quatrième trompette là annoncée là? Jugement. Jugement sur qui ça? Sur le système solaire et les étoiles. Sur le système solaire et les étoiles, très bien. Et lui dit, il y a un tiers solaire l'a frappé, pas vrai? Yes. Donc, ça le dit. Jugement, quatrième trompette l'a mené, lui vient rappeler nous yon bagay. Lui vient rappeler nous, neuvième fléau, qui te frappé l'Égypte. Qui te fait l'Égypte tomber dans l'obscurité pendant 3 jours. On a regardé Exode 10. On fait un coup d'œil dans Exode, chapitre 10, les versets 21 à 23. Exode 10, versets 21 à 23. Ça le dit. Merci, Seigneur. Exode 10, 21 à 23, qui ça le dit? Amen. 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 Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut des ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous entendez, mes bien-aimés? Merci, Seigneur. Longez-moi, Seigneur dit Moïse encore, longez-moi en l'air pour faire noir, couvrir tout pays l'Égypte là pendant 3 jours. Entendez bien. Pour faire noir, couvrir tout pays l'Égypte là. Ah oui? Fais-moi couvrir tout pays l'Égypte là. Et dans Apocalypse 8, verset 12 là, obscurité a gagné pour frapper, mais est-ce que c'est toute la terre? Non, tiers. Ok, très bien. Le tiers. Ça veut dire que c'est différent ça qui gagne avec l'Égypte là. Peuple Égypte là, il était dans l'obscurité complète. Il était dans le fait noir total. Tandis que, Apocalypse 8, 12, là, il a parlé là dans l'obscurité partielle. Obscurité que la baille là, la partielle. Il a fait noir sur une partie. Et pas toute la terre. Donc, d'après Fléau, ça, vision, hein, que Jean fait là, lui annoncer qui ça? Lui annoncer une perturbation, lui annoncer un bouleversement. Dans qui ça? Dans le système solaire là. Parce que lui dit là, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Après lui dit, afin que le tiers en soit obscurci, c'est un tiers qui a tombé dans le fait noir. Est-ce que nous avons?
On a regardé dans Luc 21, le verset 25. Sa parole, bon Dieu dit. Luc 21. Luc 21, 25, qui ça le dit? Il y aura des signes dans le soleil, yes, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Merci Seigneur. Vous entendez? Là, nous n'en signe des temps, pas vrai? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ça, nous n'en signe des temps. Pas vrai? Donc, Mélivina, dans Apocalypse 12, là, pour parler, nous, de l'obscurité partielle. Donc, ça veut dire qu'on perturbation qui pral, vini, qu'on bouleversement qui pral vini dans le système solaire, là. Yes. Parce que, il dit, il y a des signes qui peuvent paraître dans le soleil. Ouais, il dit, il y a des signes qui peuvent paraître dans le soleil, signes qui peuvent paraître dans la lune, signes qui peuvent paraître dans les étoiles, yo. Et, jugement apporté sous qui ça? Il frappe un tiers soleil là, un tiers la lune là, et un tiers étoile. Pas vrai? Yes. Nous pas là, nous pas là. Nous pas là, nous pas là. Écoute, il frappe qui ça? Un tiers soleil là. Le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Qui sa parole l'a dit là dans Luc 21, 25? Des signes qui peuvent paraître dans le soleil, dans la lune, et dans les étoiles. Et les deux, sur la terre même, tout peuple qui va trembler, il n'y a pas de ça pour vous faire. Alors, mes bien-aimés, l'obscurité qu'on s'est balancé, c'est paraître, pas de perturbation, mon pape qu'on y a droite à gauche, à brûler en moi. Moun l'autre nation yo gen pou fouler en bas pied yo nan 25 là. Il dit sous la tête tout peuple yo pral pre trembler, yo pa konn sa pou yo faire devant gros bruit la mer a fait ak lanm li yo. Donc la mer a monté. Gros bruit pral fait. Gros bruit pral fait. Donc ça veut dire qui ça? Ça annonce nous clairement mes bien-aimés. Fais-moi ça qui peut le toucher un tiers jour là. Fais-moi ça qui peut le toucher un tiers nuit là. Li exprime qui ça? Li exprime effet moi dit non désastreux. C'est que vous êtes en gon image de désastre, de problème, de perturbation, de trouble, de désordre. Cap gagner là dans système dans luminaire yo, dans système solaire là. Dans luminaire yo. Pas vrai? Parce que l'on a regardé dans la Bible, lorsque la Bible a parlé nous de fait noir, il représentait souvent jugement bon Dieu. Par exemple, on a regardé. Si nous allons dans Joël, nous allons regarder dans le livre prophète Joël, il annonçait un bagage. On allait avec moi dans Joël chapitre 3. Les versets 14 et 15. Joël. Chapitre 3. Les versets 14 et 15. Après ça, on l'autre monde a cherché Amos, chapitre 8, verset 9 pour moi. On monde dans Joël 3, 14, 15. On l'autre monde dans Amos 8, 9, pareil. Tout de suite après lecture Joël 3, 14, 15 ans, on va faire lecture Amos 8, 9. Amen. Amen. C'est une multitude. Une multitude. Joël 3, 14, 15. Yes, Joël 3, 14, 15. C'est une multitude à l'aide du jugement, car le jour de l'Éternel est proche de la vallée du jugement. Merci, Seigneur. Et la lune s'obscurcit, et les étoiles retiennent leur éclat.
Merci Seigneur. Car le jour de l'Éternel, mes bien-aimés, est proche. Dans la vallée du verdict, moi-même, voici ça, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles, tenez bien, retirent leur éclat. Vous entendez? Mm-hmm. Mais, qui ça nous est dans l'Apocalypse 8 de Zala? Nous pas avec. En aller. Amos 8, 9. N'a pas retourné. Qu'est-ce qui parle pour moi pour Amos 8, 9? Amen. Amen. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la nuit. Amos 8, 9. Amos 8, 9. Moi, les nuits, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Mes paroles, Seigneur, bon Dieu, joue ça. M'a fait soleil à coucher gros midi. Fais noir à tomber sous pays à gros la journée. Amen. Amen. Ça, c'est qui parole, mes bien-aimés, qui sortit dans la bouche qui yes? L'Éternel. Des paroles, Seigneur. Bon Dieu, joue ça. Et qui samedi, septième soir, vous présentez? Le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur. Très bien. Yes. C'est ça le représenter, ça, et ça le doula. Mes paroles, Seigneur, bon Dieu, à jour ça. M'a fait soleil à coucher gros midi, fait noir à tomber sous pays à gros la journée. Donc, ça veut dire qui ça, mes bien-aimés? Lorsque nous détournons, lorsqu'on détourne de bon Dieu, lorsqu'on vire d'eau, lorsqu'on vire au bail bon Dieu d'eau, ça veut dire que ou déconnecté de source lumière ou détaché à source lumière. Est-ce qu'on avait? Amen. Lorsque un monde a évolué dans l'incrédulité, c'est un monde qui a marché dans le fait noir. La paix bon Dieu à vous. Amen. Depuis que c'est un monde, mes bien-aimés, qui a marché dans l'incrédulité, m'a dit encore, le monde s'est choisi pour marcher dans le fait noir. Noir envahit la vie, mon ça. C'est ça que fait l'obscurité qui te frappe l'Égypte. Lorsque l'Éternel te dit Moïse, non, j'ai maintenant l'Égypte tombée dans le fait noir pendant 3 jours. Eh bien, ils sont figures de l'obscurité totale qui frappe la terre. Ils sont figures de l'obscurité totale qui a frappé la terre au jour du grand jugement. Pas oublier de ça, n'a pas parlé là. Où elle parlait de hautière, n'a pas parlé là de. Yo, jugement ça li partiel et li limité, li provisoire. Est-ce que nous avons? Au jour du grand jugement, sacrifié l'Égypte là, eh bien, c'est lui, son figure de obscurité totale qui a frappé la terre au jour du grand jugement. Donc, tout péché non repentant, tout péché non repentant, eh bien, il y a pour recevoir. Toute horreur qui gagne dans l'obscurité, dans le fait noir. Nous connaissons qui j'en fait noir, l'aide, mes bien-aimés. Nous, les lumières éteintes qui s'est passé. Mm-hmm. Tout le fait noir. Nous dormons là-dedans, c'est vrai, mais nous tout pèl. Nous pas mais fait noir. Vous comprenez, nous dormons là-dedans, c'est vrai, mais pas de monde qui est fanatique fait noir. Depuis nous faisons dans le fait noir, il y a des gens qui commencent à trembler. Nous sommes là. Et puis, boum, il y a un courant. Même côté, nous paniquer. Alors, nous avons un gros midi. Le temps marré, nous avons comment lier, mes bien-aimés. Le soleil n'est pas levé du tout. Mm-hmm. Nous avons gardé le midi, nous avons le temps pour 6 heures du soir. Fait noir. Donc, nous paniquer. Donc, tout péché non repentant, et bien, nous avons frappé de horreur, obscurité, horreur fait noir. Parce que yo pas choisi marcher selon la parole de Dieu.
Donc ça veut dire que yo pral fermer pour toujours dans les ténèbres du dehors. Est-ce que moi, mes bien-aimés, je pral fermer toujours, je pral fermer pour tout le temps dans ténèbres du dehors. Parce que qui s'acrivait? Lorsque nous avons un grand jour ça, c'est ça que parle la clé, l'idou là, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Entendez bien, oui, aux habitants de la terre. À cause de qui ça? Des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Amen. Ma bien-aimée, nous disons que sauf ça qui s'allie, qui s'allie mener, qui s'allie annoncer. Le jour du Seigneur. Donc, regardez. Sosa, il lui représente le jour du Seigneur, mais regardez des quatrième sonneria, qui s'alba nous, qui sa quatrième sonneria annoncé? Jugement. Yes. Quatrième sonneria annoncé jugement. Jugement sous qui ça? Jugement sur qui ça? Sur le système solaire. Le système solaire et les étoiles. Yes. Donc, le nous garder, l'automne, gros jour ça, n'a pas tombé non fait noir, et dans Apocalypse 12 là, qui annonçait jugement ça, la partielle. Donc, les perturbations, les désordres qui pralent, faites dans le système solaire là, deux autres qui pral fait nan lunaire yo. Donc, nous qui pral frapper. Donc, deux autres ça qui pral provoquer ya. Quel que soit ça qui t'a pas causé, quel que soit côté sorti, connaît bien que c'est son quatrième trompette là qui baille. Est-ce que nous avons? C'est son quatrième trompette là qui baille. Hein? Perturbation ça, qui prononce, qui baille jugement ça, qui provoque perturbation ça dans le système solaire là. N'est pas directement produit. C'est pas mais les hommes qui font. C'est pas directement bagaille qui sortit dans l'homme. C'est pas une bagaille l'homme fait qui frappe la nature. Les hommes pas capables de prétendre. Yo gen un tel pouvoir de destruction. Non, yo pas capable. C'est seule la main de Dieu qui capable frapper partiellement les hommes à cause de péché, yo mes bien-aimés. Encore là, bon Dieu, li fait en réponse qu'on y a à prier saint yo, en réponse à prier communauté des saints, bon Dieu, et pas pour rien que vous priez pour tout cela qui n'a incrédulité, pas pour rien que vous priez pour les âmes, pour le salut des âmes perdues. C'est pas pour rien que vous intercédez pour tout cela cap et rio qui pour qu'on chambre qu'arriver à la repentance. Donc là, vous avez gardé tout ça vous avez fait de façon partielle et de ces prières. Pas vrai? L'elfine parle comme ça, les débouchés, les doux, les annoncer trois malheurs. Père Pierre Zadou, les annoncer trois malheurs. Malheur, ça aurait pour arriver, qui moun? Qui moun, mes bien-aimés? Les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Malheur. Malheur. Malheur aux habitants de la terre. Et qui ça le dit? Il dit son mal fini. Mais créole là lui-même, créole là-bas nous le comme ça. Créole là-bas nous le clé.
mal fini, là où mal fini, où est c'est qui ça, c'est un gros? Un gros bête. Aigle. Où est c'est aigle? Li ban nou comme ça. Li dit, moi regardez encore, moi tendez un gros mal fini qui t'a volé bien haut dans le ciel là. Li t'a parlé bien fort, il t'a dit à la de malheur, ça pral red net pour moun qui sous la terre. Le coup de clé en trois autres anges va connaître. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, là, il dit, il parlait de un gros mal fini. Un gros mal fini. Donc, mal fini, ou kapon là, il dit, et le français a dit, je regardais et j'entendis un aigle. Aigle qui volait au milieu du ciel. Aigle, l'eau est aigle. Particularité aigle là, c'est l'oiseau qui est plus rapide au monde. Ouais, aigle là, c'est l'oiseau qui courit plus rapide et qui est plus puissant et qui est infatigable. Infatigable. Aigle n'a pas consacré les fatigues. Aigle est très puissant et c'est lui qui vole plus haut. Qu'a parcouru ciel. Les deux, ouais, qu'a volé. Ouais, qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte pour symboliser, pour montrer la force de l'aigle. D'une voix forte, a annoncé aux hommes, aux habitants de la terre, que malheur. Malheur pour yo, malheur pour yo. Est-ce que nous avons? Amen. Donc, ça, mes bien-aimés, lui annoncer malheur fin temps. Donc, trois grands malheurs de la fin des temps. Les quatre premières trompettes ont été sonnées. Son trompette yo fin campé avec apparition trompette trois quatre trompettes sonné vin de pause nan quatrième sonnerie avec apparition aigle on va continuer avec non là parce que tendez ça dit oui tendez ça dit malheur, 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 pour l'annoncer malheur, aux habitants de la terre, à cause des autres sons. Tendez bien, à cause des autres sons. Combien l'autre son trompette qui vient pour vous sonner? Sept. Hein, combien? Quatre. Combien de sons nous gagnons là? Nous prenons quatre sons déjà. Combien de trompettes nous dit qui gagne? Sept. Très bien. Combien de trompettes pour sonner là? Trois. Très bien, toi. Il dit où là? Il dit à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Bon, pause qui fait là. Donc, apparition, il dit le son trompette ça, il vient interrompu, il vient campé avec apparition aigle là. C'est plus qu'à peut-être un aigle ou son aigle dit là, il est capable de voler, voler dans les airs au milieu du ciel. C'est-à-dire au point le plus élevé. Nous disons que aigle là, c'est oiseau qui vole plus haut. Donc, pour tout le monde qui a ouéli et pour tout côté qui attendait, parce qu'elle dit avec une voix forte. Mais pas oublier, c'est un oiseau de poids que lié. Ça veut dire, lorsque la Bible parle de ça là, les présager qui ça, les présager la ruine et les représenter qui ça, les représenter carnage. Les représenter carnage. Et ça qui pral confirmé par trois appellations, yo. Trois. C'est ça qui sorti. Malheur. 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 Ça veut dire qui ça m'est bien aimé. Ça veut dire clairement malheur, carnage. Ça veut dire que moun pral mouri. Parce que on a regardé dans Matthieu 24, verset 28, pour nous comprendre ça m'a dit là.
Matthieu 24, verset 28. En allez avec. Depuis nous dans Matthieu 24, nous avons fin de temps. Matthieu 24, 28, en allez. Qui ça le dit? Amen. Dieu, que soit le cadavre. En quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigres. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il traduit comme ça. Côté cadavre la vaillé, c'est la vautouille. Vautouille va sembler. Vous entendez? Côté cadavre vaillé, c'est la wabjoune qui ça? Wabjoune aigle. Qui ça ou est là? Lorsque le parle de aigle là, qui ça ou est mes bien-aimés? Il annonce malheur. Il dit malheur, malheur, malheur. Qui ça comprend? Très bien. Confirmé par le triple malheur, proclamé d'une voix forte aux habitants de la terre, malheur, 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 ça veut dire que, mes bien-aimés, moun pral mourir. Parce que c'est aigle-là, il parlait de vautour, vautour, c'est une espèce de, ça nous est capable de dire une espèce de, les gens particularité dans Charonia, les nourris de cadavres. Et ça fait l'idou là, en quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les vautours. Parce que les vautours là sont c'est de cadavres les manger. Ça veut dire que son châtiment, là, nous comprenons clairement que malheur ça qui annonce à mes bien-aimés, c'est pire, le pire que le jugement du premier groupe des quatre trompettes. Aïe, 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 non pas vraiment. Le plus mauvais, oui, toi, chaque palvinio. Jugement, ça peut être que le premier groupe 4 trompettes là, oui. Nous allons voir ça après, semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons voir les trois derniers. Donc, c'est ça que fait. Les quatre premières trompettes, ces mêmes bagailles là, nous semblent les mêmes gens. Avec quatre premiers solos, on va continuer avec nous. Vous constituez le commencement des douleurs. Les quatre premières trompettes sont commencement, sont introduction. Alléluia. Matthieu 24, 8, et ça le montre nous, c'est le commencement des douleurs. Donc, ces premières douleurs, ça y est, il a frappé le monde créé. Que bon Dieu baille l'homme géré, que l'homme géré le mal. Et ça fait deuxième catégorie, deuxième groupe trompette là, eh bien, c'est deuxième catégorie, les douleurs, ça y est, les de malheur. Il va frapper qu'on y a les hommes mêmes. La paix, bon Dieu, avec eux. Premier groupe là, c'est création. C'est ça, bon Dieu, t'es créé, t'es baille l'homme géré. Nous allons prononcer jugement sous yo. Deuxième groupe, la Kounia, pour frapper les hommes directement. Nous pas avec, non? Amen, amen. Amen. Donc, est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen. Donc, pour nous classer quatre trompettes que nous sommes là, donc nous disons que c'est le commencement des douleurs. Quatre trompettes ça représente commencement douleur comme nous capables. Première trompette là, jugement prononcé sur qui ça? Sur la terre. Très bien. Première trompette là, jugement prononcé sur? En aller, rapidement. Première trompette? Sur la terre, jugement sur la terre. Ok. Deuxième trompette? Sur la mer et les océans. Sur la mer. Très bien. Troisième trompette. Jugement sur les fleuves et les ciseaux. Quatrième trompette. Jugement sur le système solaire et les étoiles. Le soleil, la lune, les étoiles. Très bien. Donc,
Mais bien aimé, c'est là nous sommes capables de voir très bien. À partir de quatre trompettes, ça y est, nous voyons que ensemble d'événements qui ont déroulé, qui ont défilé là devant et Jean, la vision hein, et tout ça qui a déroulé sous yeux Jean. Donc c'est ça que fait, je dis à moi, je dis nous, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Donc, son comportement aujourd'hui, sous ça l'éternel ben nous fait, sous ça l'éternel parlait avec nous, car nous voyons que nous pas en affaire avec qui ça? Nous pas en affaire avec nous qui a fait qui ça? Il n'est pas en affaire avec monde qui désobéit, avec monde qui est en rébellion. Donc, ça veut dire que qui impact trompette ça a gagné aujourd'hui? Qui impact les gagné sur la vie, nous? Donc, à cause de regarder impact trompette, à cause de désobéissance les hommes à loi bon Dieu, à cause de désobéissance les hommes à la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu, qui ça le fait? Les prononcer un jugement, les infliger. Mais infliger des châtiments à nous-mêmes, sévères. Sévères. Et pour qu'on le voit, nous pourrons regarder quatre premiers, nous pourrons venir la semaine prochaine avec trois deuxième groupe de trompettes là. Nous pourrons regarder le premier groupe là. Sous qui ça lui prononce le jugement? Sous qui ça? La mer. Sous qui ça? Sous ça le débat et les hommes j'ai. Yes. Yes, sous saleté by les hommes gérés. Et deuxième groupe là, les pral touché directement les hommes. C'est les hommes, deuxième groupe là pral touché directement. Donc, ça pour nous comprendre aujourd'hui, mes bien-aimés, priez nous, pas oublier que n'a prié. Et puisque n'a prié, bon Dieu pas suspend côté prier nous. Et bon Dieu pas suspendre tout, répondre prier non. Et ça fait, vous pouvez regarder, même gens, pour qui te frappé Égypte, ils ont annoncé et ils ont préparé, et ils ont annoncé, et ils ont préparé la délivrance peuple Israël qui t'a souffri dans l'esclavage, qui t'a souffri dans l'exploitation, en bas pression, en bas misère. Dans l'esclavage dans le pays l'Égypte. De même, malheur ça yo qui a annoncé, qui a frappé le monde, eh bien, yo annoncé nous ça, et yo a préparé une délivrance complète de l'Église persécutée dans le monde. Donc, qui ça, l'a annoncé malheur ça yo. Malheur ça yo, c'est qui ça lié? Malheur ça yo, c'est un appel à la repentance. Donc, ou même qui ont responsabilité pour proclamer, bonne nouvelle là. Ou une responsabilité pour faire appel ça. Ou une responsabilité pour faire appel à la repentance ça. Faut qu'on lance à tout le monde qui est incrédule. Faut qu'on dise, mais ça va venir. Jésus vient pour le tourner. Et avant le venir, mais ça vient pour faire. Et si vous pas fait ça, yo, si vous pas repenti, mais ça va priver. Donc son appel qui est adressé à l'Église, mon Dieu, son appel qui est adressé à vous-même. Qui entre dans l'église là pour veiller, parce que c'est pour question de marcher tout sauvé, m'a dit non encore, c'est une question de est-ce qu'on parle, parce que tout le monde qui entre dans et qui pas obéi, qui pas respecté, ça bon Dieu dit, nous même gens à pas rien. Amen. Nous dans même sac, nous dans même panier, c'est pour question de mandat, pas de problème, non. M'a couvri. Mais pas oublier ou dans désobéissance. Parce que pendant un an, ou pas conforme à la parole là. Ou là tout. Ou dans l'église là tout. Ou attendre tout. Mais ou pas une servante. Ou pas un serviteur. Ou pas agréable dans les yeux de bon Dieu. Ou pas parfait dans les yeux de bon Dieu. Ou là tout. Donc le bon Dieu vient parler à vous là tout. Pour veiller pied, pour veiller couteau à chita, pour veiller camper, pour veiller chita, pour veiller parler, pour veiller agir, et pour persévérer. Parce que ce n'est pas une question de tomber levé.
C'est pour question de humeur, c'est pour question de j'aime vle, c'est pour question de l'aime sentime, l'aime capable, l'aime sous ça. C'est pour question de si là qui va persévérer, si là qui va arrêter jusqu'au bout. Parce que l'on attend de pas question de les trompettes là va sonner. Non, les appels là va faire. Oui. C'est pour question de les appels va faire, non? Non, va. C'est pour question de les appels là va faire la nouvelle là, non? Oh, on va chanter content, l'appel la fête n'a pas là. Non! On va chanter pendant ce temps, pas même pas au conscient qu'on pas parler. On va chanter l'appel la fête, on va pas qui bon bral là, bon pas parler. On connaît, on va marcher pied gaille. On connaît la désobéissance. On connaît on a deux bon Dieu. On connaît que ça va mal dans la vie. On connaît qu'on pas clé. Au contraire. L'entendez ça, eh bien, c'est conformé. Parce que le Seigneur fait grâce. Il fait que parole là qui arrive dans les oreilles. Pour veiller chita. Pour veiller qu'on doit mettre pied. Pour veiller agissement. Et pour capable persévérer. Qu'on y a pour le trompette à son nez, Jean-Well dans la parole là. Tout si là qui pour lire, il y a protégé. Parce que délivrance. Sauf ou absolu aujourd'hui à là, ou même qui était fidèle là, ou pas loin délivré. Amen. Ou pas loin délivré. Délivrer son proche. Merci Seigneur. Alléluia. Délivrer son proche. Alléluia. Tellement ça aurait pour faire, et mes sérités. Qu'un béfème, persévérer. Amen. Et le Seigneur lui-même. Prends courage, le Seigneur a fortifié vous. Prends courage vous pour résister face à toute attaque, pour résister face à toute persécution, pour résister face à toute fléau. Parce que le Seigneur joue l'approche pour lui délivrer vous. Que bon Dieu bénisse vous. Nous allons ouvrir pour vous. Si vous avez une question à tout ça, nous dit là, sur quatre trompettes là, et sur l'ouverture à 17e soir. Donc, n'a pas quelques questions? Merci Seigneur. M'a posé moi-même. Ah oui? M'être posé? Oui. Qui est-ce que tu as trompé ça? Bienvenue, bien entendu, depuis ces derniers temps là. Hein? Et. Dis Seigneur. Qui est-ce que tu as trompé ça? Que nous entendons plus ces derniers temps? Qui t'a trompé? Na quatre trompettes ça yo malheur na quatre trompettes ça yo qui est content de plus ça c'est à dire que sous jugement sous système solaire sous ça qui a passé dans la nature ça nous qui a passé jodi à la tremblement de terre ok premier soir. Premier, bah oui. Oui. Il y a du feu de tous côtés. Et tout est, on comment dire ça? Tout en zone, il doit bouler. Tsunami. Tremblement de terre tout le temps. Ça veut dire que dans quatre trompettes, ça y est, qui est tout le temps de plus? Premier trompette là? Premier trompette là. Mouvement sur la terre. Premier trompette là, parce que l'idée là, le premier son a eu de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consommé, le tiers des arbres fut consumé et tout est vert fut consumé. Donc, si nous regardons et je dis là, nous voyons ça qui a passé California. Et nous voyons comment virer tout nez. Des feux de forêt. L'autre jour, là, près de 1800 cailles disparaissent dans du feu.
près de 1800 cailles aller dans du feu. Et ceci dit, c'est chaque année, mes bien-aimés. Yes. Californie, là, chaque année, eh bien, boule feu de forêt. Mm-hmm. Boule du feu, caille, mon ap courir, quitter caillot des cailles qui coûtaient des millions de dollars, et bien, cap disparaître dans du feu. Mm-hmm. Cap disparaître dans du feu. Donc, ça, c'est pour montrer nous, nous-mêmes, qui chrétiens, nous-mêmes, qui petit bon Dieu, faut que nous gagnions yeux nous l'ouvrir sous événement yo. Et qu'on y a pour nous prendre événement yo pour nous mettre yo dans parole bon Dieu pour nous garder sa parole bon Dieu dit. Et ça fait pourtant je dis pour l'ouvrir yo bien grand sur ça qui a passé autour de vous même pas fermer mes yeux sous événement yo. Sous prétexte que m'a pas besoin connaître ça qui a passé. Yeah. Et pas qu'on pas besoin connaître ça qui a passé, mais pas oublier que ou gagnez il y a une parole qui dit ou ça qu'a privé yo. Et puisque nous connaissons qui tant que nous y est, eh bien, je dis à ou même une responsabilité pour l'ouvrir yo sur événement yo. Et pour mettre événement yo dans le contexte yo, les tout qu'on a fait tête chaud, tête pas pas capable chaud. Tête pas pas capable chaud ou pas capable paniquer. Au contraire, c'est pour dire ou même délivrance au proche. Pendant que tout le monde panique, mais ou même moi dit délivrance mes proches. Alléluia. Lorsque vous avez des événements autour de vous-même, pas de panique pour vous et dit délivrance mes proches. Par contre, vous comprenez ça, M'dou là. Délivrance mes proches. Par contre, pour tout le monde, mais moi-même, pour moi, délivrance mes proches. Les m'a regardé événement ça fait me pas paniquer, c'est ça qui fait me pas dit mes amis regardez ça qui a passé. Oh mes amis c'est pas comme ça bagayoté non. Eh monde l'a fini. On va répéter parole comme ça. On va pas répéter parole comme ça parce que me connais ça qui a passé là. On pas besoin signer n'en qui pour dire ça qui a passé. On connais ça qui a passé là avant mon document là même qui bam tout événement yo. Amen. Mon document même qui m'a tout événement qui dit ça qui va passer. Mais bien aimé, c'est rete pour nous rete dans document. Donc je dis à ou gen pour devoir ou même pour comprendre parole là et pour garder ça qui a passé autour de vous même parce que toute bagaille annoncé, toute parole parlée. Le Seigneur dit toute bagaille. Le Seigneur dit toute bagaille. Donc c'est ça que fait jodi a, c'est pour conformer au, puisque lui dit nous, lui adresser à nous-mêmes et nous-mêmes nous avons responsabilité pour nous adresser parole là, ça nous connaît à incrédulio, pour nous inviter à la repentance, parce que ça va le raide. Pas vrai? Yes, oui. Les actes mes bien-aimés, il y a plein monde qui dit que dans dernier jour, dans dernier jour, dans dernier jour, mais bon Dieu a jugé chaque jour. Pas tant de dernier jour pour repentir. Pas tant de dernier jour pour conformer, pas tant de dernier jour pour ranger chita. Mais les derniers jours pour attendre pour ranger chita, trop t'a barré. Faut ta barre. Mais ça fait c'est jodi a pour conformer. Parce que c'est ça qui fait jodi a ou gen responsabilité pour préparer ou. Parce que nous pas konn joie. Nous pas konn joie. Seulement nous gen responsabilité pour nous konn pour nous préparer nous. Pour nous préparer. Et ça, quelqu'un auteur qui dit, n'attendez pas le jugement dernier. Le jugement a lieu tous les jours. Yes, il dit, pas tant de derniers jours. Parce que le jugement fait chaque jour. Parce que chaque jour, bon Dieu parle à vous. C'est chaque jour, bon Dieu vous voyez parole par vous. C'est chaque jour, bon Dieu parle à vous. Ça fait, il dit dans Job, bon Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il voit les paroles chaque jour sous toute forme.
Mais ou même ou pas attendre, ou fait la sous l'oreille. Ou pas obéi. Ou pas fait pas ou. Donc je dis à vous comprendre que le Seigneur lui-même, à cause de désobéissance là, eh bien, l'a touché. Donc tout ceux-là qui pas voulu repentir, eh bien, il a frappé. C'est ça que fait, je dis à tout le monde qui est libre. C'est vrai, il est libre. Tout le monde qui est grand monde, il a fait ça, il voulait. Mais pendant que grand monde, il a fait ça, il voulait. Mon dernier jour. Guéon jour, il est le jour du Seigneur. Guéon jour, il est le jour du Seigneur. Côté chaque monde a bien pour paraître. La fois dernière. Chaque monde a bien pour paraître pour rendre compte. Chaque monde a bien pour paraître pour rendre compte. Donc, ou sont au libre, ou grand monde, ou café sauvé, ou transgresser loi jonglé, ou violer loi jonglé, ou désobéir jonglé, ou disposer à corps jonglé, ou faire sauvé à corps, ou faire opération dans l'idée, ou changer corps jonglé, ou faire chirurgie jonglé dans corps, ou retirer sauvé dans corps, ou mettre sauvé dans corps. Au lieu de repentir, ou préférer qu'on y achète à refaire corps. Au lieu de repentir, ou chita wap refaire corps. Ou n'y a sa bon de te créer, li pa bon. Ou même ou fait les hommes recréer. Ou fait les hommes corriger. Œuvre parfaite, bon Dieu. Donc, on est capable d'aujourd'hui, le monde a vivre mon état, mon triste état de tromperie, mes bien-aimés. Yes. Et ce n'est pas l'autre monde qui plonge le monde dans état de tromperie ça qui fait que aujourd'hui ouais les hommes a fait tout tintin ça yo avec quoi yo c'est l'autre là et ça le dit nous et si nous font coup d'œil n'a fait rapidement dans Apocalypse 12 le verset 9 na ouais ça m'a dit nous là état le monde a vivre aujourd'hui a triste état de tromperie le monde a évolué a vivre aujourd'hui a côté ouais nous a dépensé masse l'argent, ou ap refè koyo, ou ap fon bon bagay. Jean se a dit là, y ap corrige zèv bon Dieu. Tande sa di ou nan Apocalypse 12:9. Li dou, yo jete gou dragon an de yo, se li mèm, serpent ki la depi lontan, li mèm yo rele diable la, ou sinon Satan, kap ple de trompe, tout moun, yo voye jete sou la terre ensemble avec tout zanj li yo. Même jodi a. Yo ap gade kote le monde rive la. Yes, yeah. Salut, si ap explique mon moun ki fin fè opération nan koli pou éliminer gres. Li te fon premier opération, tout gres yo vin tombe nan kòa. On a l'argent l'autre opération vous prenez prend graisse ça yo que n'y a il pas de bonne belle forme il estime que il pas de bonne belle forme yo voyez toute graisse yo dans derrière qu'on y a une bonne belle forme les hommes refèl. Donc, vous voyez toute graisse dans derrière, qu'on y a une balle dans l'autre forme. Il y a une belle forme qu'on y a. Ça, c'est un triste état de tromperie, mes bien-aimés. Et qui est-ce qui fait ça? Dragon. Yes, dragon. C'est ça le dino là. Yo jetel, c'est lui-même qui a appelé de tromper tout le monde. Oui. Il trompe, il faut voir l'aide, il faut pas bon. Les hommes ils à jodi à dans intelligence là pour yo refaire c'est lui qui tombe dans tromperie ça et lui qui fait qu'a tromper nous comme ça donc menu donc jodi à ou même qui le Seigneur fait grâce ou capable ou parole ça tomber dans oreille ou et ben jodi à ou gain responsabilité et bien pour capable parler avec yo afin que yo capable repentir donc jodi à au lieu que yo repentir eh bien, yo préféré faire ça yo. Yo préféré marcher dans tromperie. Yo préféré tomber dans tromperie et pour yo faire ça yo. Qui c'est abomination.
Yo pa ka fè ti moun, ya lankre nan FIV, fè mette spèman nan yo, pou yo kapap fè ti moun. Se mon Dieu bay pitit. Retan. Li ka fèl. Obéi. Obéi. Et bon Dieu a agi. Obéi, mes bien-aimés, et bon Dieu a répondu prière. Obéi, mon Dieu a béni nous. C'est un plaisir, mes bien-aimés, pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous qui te répond présent pour nous être capable d'étudier ouverture 7e soir et 4 trompettes. Donc, semaine prochaine, nous allons entrer dans le deuxième groupe trompette là pour nous capable passer dans le deuxième groupe là qui c'est 3 derniers sons, 3 derniers trompettes. Amen. Amen. À nous disposer que nous. Prenons la prière pendant que la sœur Nicole peut prier pour nous et nous retourner pour nous bénir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pas à nous, éternel, nous pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ton qui a prévu ta fidélité. Oui, Seigneur, nous dis merci à toi, c'est à cause de bonté. C'est à cause de fidélité qui fait à soi nous capables là, qui fait à soi nous capables de venir ensemble, qui fait à soi nous capables de venir l'autre samedi encore, nous l'avons fait en semaine, pour te commencer avec nous, pour nous arriver à la fin, c'est à cause de fidélité, nous guérissons pour nous remercier, nous guérissons pour nous gloire, nous guérissons pour nous honorer, nous guérissons pour nous exalter, nous pensons trop grand à la vie, nous fidèles envers nous, nous remercions pour chacun de nous. Côté avec nous pendant la semaine, dans le sommeil, nous réveiller. Et tout ça, qui était dans la présence, qui était dans la parole, qui était dans l'adoration, nous vous remercions. Et à ce moment encore, vous faites lumière pour nous à travers la parole, nous. Vous aidez nous grandir, vous aidez nous réveiller. Quand nous ne pouvons pas connaître, nous allons arrêter dans la parole. Là. Nous vous remercions, ces paroles-là qui sont capables de diriger nous, ces paroles-là. Qui a fait nous servir au pied, parole qui est capable de faire correction dans la vie, nous, qui a transformé nous. À toi, nous disons merci, Seigneur, nous disons merci pour grâce et faveur ça pour faire nous. Nous bénissons, parce que vous ramenez nous. C'est à moi, toujours, qui fait la vie de tout ça. C'est votre ramenez nous qui fait baptiser nous à vous-même avec parole. Nous disons merci. C'est par nous, Seigneur, les fidèles. C'est par ça que nous demandons, c'est par les bénédictions qui nous l'amont, c'est tout ça fait pour nous-mêmes. À toi, nous disons merci. Je vous remercie pour chacun de nous qui était présent, chacun de nous qui était exposé rendez-vous, et chacun de nous qui est grand ou qui toujours l'état des paroles ou qui vient volonté et désir pour nous grandir. Je vous remercie la gloire, merci fidélité. Nous voter chacun de nous devant soi. Je vous remercie pour vous-même et tout ça. À la tous ces gens qu'on dirait, on va toucher, on va visiter. Je vous remercie encore plus à vous, serviteurs qui sont toujours là et qui sont toujours mis en position pour nous recevoir les connaissances qui valent, pour nous comprendre parole et pour nous vivre parole et pour nous transmettre à nous-mêmes. Je vous remercie pour nous-mêmes. Continuez à bénir, continuez à grandir, continuez à protéger et continuez à faire connaissance parole et continuez à faire l'union que nous dans la vie. Et nous disons encore plus adressé, aidez-nous nous-mêmes, non seulement pour nous pas attendre, mais pour toujours appliquer parole. Parce que tout va balancer l'application. Tendez à l'effacer, vous tendez. Tout le monde qui attendait, bien appliquer là, tout le monde va capable. Et nous demandons, cet esprit, c'est seul qui a fait dans la vie. C'est seul nous-mêmes qui a aidé nous pour nous faire ça. Nous allons passer la force par nous. Pour nous, nous combattons, nous bataille avec nos ennemis qui parlent de changement. Et nous connaissons cet esprit, ça fait nous plus fort que nous-mêmes. On va aider nous pour nous faire des paroles, pour nous pratiquer, pour nous vivre, pour nous passer, pour nous vivre, pour nous être capable de créer nous-mêmes et tout ça qui a privé nous, pour nous participer, pour nous parler, pour nous toujours connaître que délivrance, non, pas trop loin. Seigneur, nous disons merci à ce après tout ça. Et nous disons merci encore pour une semaine que nous allons entrer là-dedans, Pierre Dieu, notre semaine de réveil, nous allons présenter sur nos lois 600 sous. Parce que semaine n'a pas une semaine de succès, qu'on connaît sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire une semaine de réveil ça. Côté nous allons joindre avec nous allons joindre visitation, Seigneur, nous vous remercions. Et nous allons coucher à soi, nous allons dormir, garder sommeil nous, afin que nous capables de réveiller encore nos présence. Par nos victoires, pour tout ennemi, pour toute attaque, qu'on nous connaît à chaque fois, on a rapproché du port, il n'y a plus mauvais. Nous avons de puissance, nous avons de autorité, nous avons de pouvoir, et afin que nous capables de lever avec toute force, et toute énergie, nous vous remercions d'avance, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Nous sommes fait déjà, sommes là, continuer, c'est encore dans la vie.
que nous disons toujours que nous avons fin, nous avons le bien commencement. Et nous sommes certains, n'importe qui, nous avons mis pour nous-mêmes, malgré que nous avons des propales, nous connaissons n'importe qui avec nous. Nous disons super, nous voulons pour ça. Nous puissons de Jésus qui vit sur elle au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. C'est un plaisir, mes bien-aimés, pour nous être ensemble. Un grand merci à chacun de nous qui était répondre présent. Et n'attendons-nous demain matin, si Dieu veut, 6 heures, pour l'aura en prière, afin que nous soyons capables de démarrer ma semaine de visitation divine qu'a fait tout thème. Certainement, Dieu vous visitera. Que nous joignons dans Genèse 50, le verset 24. Donc, nous attendons tout le monde pour nous passer une agréable semaine. Et d'ici là, nous souhaitons passer une agréable fin de soirée. Donc, étude ça, ou t'es tendé à soya, li capable, yon bénédiction pour vous, ou capable d'édifier, et li capable rete comme une source de bénédiction pour la vie ou, pour la vie chrétienne ou, pour la vie de prière ou, et pour la vie de tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne fin de soirée à chacun de nous. Kembe la, mes bien-aimés.